À la montagne, ou ce lieu de rencontre, ce lieu d'émerveillement, l'horizon étendu dont on a vu sur la beauté large de la création. Cette œuvre est très mystérieuse, peut-être difficile à comprendre à première vue. Faisons un jeu simple. Tu vois une clé enfouie dans la montagne, à gauche. Son code est ouverture. Un diamant est en bas, pas très loin. Son code est bijou. À droite, il y a une carte. Son code est exploration. À partir de ces codes, cela te fait-il penser à quoi? Tu peux penser à la chasse aux œufs que les enfants aiment bien faire, le jeu également du labyrinthe. Voici une énigme pour t'aider. Je suis dissimulé dans la terre et non visible. Je recèle de trésors, de l'or, de l'argent, du bronze et des pièces de monnaie. Ce qui est en moi est de très grande valeur et les rois se disputent pour m'avoir. Mais pour m'avoir, ne faut-il pas faire une recherche profonde pour me trouver? Qui suis-je? Facile. C'est une chasse au trésor, et oui. Et si cette œuvre t'inspirait à faire une chasse au trésor dans les profondeurs de ton être, les trésors dissimulés dans ce monde? Attention, je ne parle pas d'argent, ni de joaillerie. C'est le trésor de ton cœur. J'ai une question précieuse à te poser. Qui est l'auteur de ta propre existence? Va à la montagne, ce lieu calme, sans distraction, et écoute cette douce voix qui t'emporte vers ta destinée. La véritable vie.